Hello les gens, c'est Toupigal, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va super, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Uncharted 2 Among Thieves Remastered sur la magnifique PS4. Vous pouvez d'ores et déjà matraquer ce bouton j'aime. J'aime quand vous faites ça d'ailleurs. Quand vous me matraquez. Enfin bref, quand vous appuyez sur j'aime, si la série vous plaît bien entendu, vous pouvez aller retrouver tous les épisodes de la playlist en cliquant sur le petit i en haut à droite. Dans la précédente vidéo, on est arrivé donc au Népal, en pleine guerre civile. Et donc pour cette quatrième partie de notre let's play, on va essayer d'aller sur le point le plus haut de la ville pour espérer. Je sais plus pourquoi faire en fait. Pour espérer avoir une vue d'ensemble. C'est verrouillé. Et attends-moi trouver ici, je vais voir si je peux trouver un passage. Et trouver le bâtiment qui a le même symbole que là-haut. Alors, on est avec notre chère Chloé. Et donc, on va essayer de trouver un moyen de monter. Attends, me dis pas tout de suite où il faut aller. J'aime bien trouver par moi-même. Bon. J'ai compris. Peut-être là, non, c'est pas là. Ok. On peut y aller, on peut aller par là. Hop, là, on a qu'à monter comme ça. Non? Ça devrait m'emmener en haut. Ah oui, on peut monter sur ça, c'est vrai. Excellent! Ah oui, on passe par là, d'accord. Carrément. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de trésor. Je suis sûr et certain d'en avoir loupé. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon je vous avais dit que j'allais pas récupérer la totalité des trésors dans cette aventure, mais ça m'a l'air encore plus compliqué. Je vois l'hôtel d'ici. Cool. Ouais, je sais, on y est presque. Ça m'a l'air encore plus compliqué que pour le premier épisode d'Uncharted. Au niveau des... Petit effet de lumière sympathique ici. Au niveau des trésors. Et voilà. Un petit cri, ma foi, fort viril, Drek. Ok, ah, c'est vraiment magnifique. Les détails sont vraiment super bien rendus avec cette édition remasterisée. C'est vraiment très joli. Je suppose qu'on peut pas aller par là, choper un trésor. J'ai compris. Oh oh. Ils sont quelque part par là. Attendez, est-ce que j'ai une grenade? Oui, j'ai une grenade. Allez, à plus. Oh, ah, toi t'es pas mort et tu meurs. Ah, il y avait aussi la bouteille de gaz là, j'ai pas pensé. Ouvre la porte. T'inquiète, je suis juste un peu occupé, il y en a. Oh oh. Hop, on va peut-être se laisser tomber là. Ok, c'était un peu haut, mais tant pis. Ok. Est-ce qu'on peut toujours leur lancer des bouteilles de propane à la gueule? Bon là c'est un peu risqué vu que le mec il est en capuchonné, mais attendez, je vais peut-être pouvoir l'avoir par là. Oh non! Qu'est-ce que... Non! What? Mais j'aurais dû l'avoir là! Le combat de débile! Hop là! Et c'est un tir en pleine tête, j'adore ça. Peut-être se calmer. Attends, j'ai ouvert la porte à... Merde. Ah, y'a un. Y'en a. Voilà. Ah, c'est qu'on peut zoomer. J'avais complètement oublié ça. Plutôt utile. Pour les headshots. Hercule. Allez, viens! Peut-être pouvoir m'aider un petit peu là. Je te trouve! Ouais. Alors la question c'est à quoi faire? Oh, mais. Vous êtes pas morts les potes? Par contre, on peut pas zoomer avec les pistolets. C'est uniquement avec les fusils d'assaut. Il y avait des munitions? Non, pas du tout. Ok, super. Bouteilles de propane, hein, faire très attention parce qu'elles peuvent aussi vous exposer à la gueule, bien entendu. Donc, c'est plutôt embêtant. Et il y a vraiment aucun trésor. Franchement, ça me stresse un petit peu, je dois vous avouer. Je vais pas leur envoyer à la gueule, genre.
piratement longuement sur R1 pour lancer la bouteille. Et ensuite, non, on peut la faire exploser, regardez, hop. Comme ça. Et voilà. Il est mort, ça c'est une tactique dont on servait beaucoup dans le multi. C'est vraiment dommage qu'il soit pas repris, que le multijoueur soit pas repris dans la version PS4. Faudrait que tu me portes, je crois que je peux atteindre l'échelle. D'un autre côté, ça aurait été compliqué niveau serveur parce que il y a toujours plein de joueurs sur les versions, enfin plein. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. Ah non. Viens pas me dire que je fais rien pour toi. Ah, la réplique à Mathieu. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. C'est pas mal, hein. C'est pas... Je me souvenais plus de cette réplique. Énorme. Ah, mais je m'en souvenais... Oh, bah, attendez, je la ressortirai, attendez. Génial, cette réplique. Dès demain. Demain, j'arrive en cours. Hey, tu sais quoi. Énorme. Donc, du coup, je sais même plus ce que je disais. Ouais, à propos du multi, ça aurait été cool qu'ils le remettent aussi sur cette version... PS4. Ok, on va juste faire ça. Voilà. C'est très joli tout ça, mais il n'y a toujours pas de trésor. C'est bon. C'est quand tu veux. Je vais pas me prendre les charges. C'était chevaleresque. La galanterie est pas morte. Par contre, c'est vrai que ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils proposent au moins le mode coop, parce qu'il était vraiment très sympa. Il y avait aussi des sortes de missions en fait qui reprenaient les éléments du solo. Oh, les petits pigeons. Et ouais, il y avait vraiment les parties en coop étaient vraiment géniales. Et ça, bah, je les aurais bien vu reprises en multijoueur. Chapitre 6, moment de désespoir. On dirait que c'est mal barré pour la résistance. D'accord. Excellent. Super. Hop. Ça va être coton. Tu crois? Ouais, on devrait peut-être aller à l'hôtel par un autre chemin. Pour éviter d'affronter tous ces gars. Excuse, mais tu vas pas te servir de cette grenade? Si, figure-toi. Je vais les contourner par là, et interrompre leur petite fête. T'es sûr d'oublier personne? C'est là que t'interviens, chérie. Tu dois te charger de ce type. Mais fais-le en silence. Fais-le en silence. T'es sûr de ton coup? À situation désespérée. Mais c'est une blague! Ok. On voit qui c'est qui porte la culotte dans le ménage. Bon, alors... Du coup, on va devoir se charger du mec. De la façon la plus discrète possible. On retrouve les petits passages d'infiltration du départ. Alors, ça va être coton, effectivement. Donc déjà, toi, on va te tuer tranquillement. Voilà. Pas de soucis. Et ensuite, on va peut-être se mettre là. Et oh, nickel, il est arrivé direct. On va peut-être lui prendre... Nickel, on a un lance-grenade. Un lance-roquette plutôt. Contre qui va-t-on l'utiliser? T'es mort, toi t'es mort, toi t'es mort. Et... Oh là-bas, sur le mec là-bas. Salut. Ouh, le souffle a même. Ah non, merde, je croyais qu'il allait tuer l'autre. Pas grave, j'ai encore des grenades en réserve. Allez, mange ça. A plus tard. Nickel. Il est pas mort. Blague ou quoi? Par contre, il me faudrait un autre pistolet. Là, le Defender. Nickel. Hop, c'est un shot. Ou toi. Et ça aussi. Et pas ça. Dommage. Wow. Il est plutôt chiant. Allez. Non, non, tu vas mourir. Wow. Il vise bien. Et voilà. Je vais chercher par là à la recherche de trésor. Vite fait, hein. Prend pas longtemps, hein. Passer par là.
On a un micro, on peut aller là-dedans? Non, pas du tout. Bon, moi, je me balade, je me fais une petite visite pendant les phases de gunfight. Oh! Salut! Coucou! Ah, oula! Tu as connu peut-être? Voilà. Reculez! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah non! Ah non! A plus tard. J'ai posé mon lance-roquette. On a plein là. Non? Putain, j'ai encore une munition, fuck. Elle est où? La tête! Ah, je l'ai eu, je crois. Le lance-roquette a disparu, merde! C'est con. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Je sais pas trop ce que je fais en fait, je vous avoue. Je vais prendre le micro. Bon. On peut monter là. Pourquoi faire? Je sais pas parce que j'ai mouru en fait. Donc on va faire gaffe. Repli stratégique. Même type, il est engagé. Ah, merci pour la mise à jour, Drive Club, c'est bah, c'est cool hein. Oh, nickel. Wow. Oh, oh, la bouteille de propane qui passe bien. Et j'arrive à ton secours, Chloé. Salut. Ouais, je crois que c'était le dernier. Voilà l'hôtel. Maintenant, faut qu'on arrive à grimper. Bon. Plutôt intense. Alors. Hey. Quoi? Par ici. Viens voir un peu ça. Deux. Une échelle de secours. Oui, 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 c'est très bien. Deux petites secondes. Ça m'étonne vraiment qu'il n'y ait pas de trésor. Qu'il n'y ait pas de trésor par là. Et pourtant. Ah, si on peut aller là quand même. Pourtant, ce serait une cachette. Je dirais presque idéale. Mais il n'y en a pas. Ou alors j'ai désactivé les trésors tout simplement. Non, c'est pas possible, mais. Ouais, je suis assez déçu du fait que je n'en trouve pas, quoi. T'as moyen de monter là Je sais pas. Par contre, il y a plein de munitions ici, ça c'est cool. Pour le fal et surtout pour le micro en fait. Ouais, genre là on peut pas y aller et tout. Et surtout là-haut. À quoi ça mène? Ça c'est une question. Bah, une bonne question d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a un trésor là. Caché derrière un des panneaux. Vous croyez pas? Moi je crois que si quand même. Hein. Pourquoi je peux pas. Bah pourquoi je peux. Je peux pas aller de l'autre côté. Fuck. Bon, ça se trouve, ça mène à rien ce que je fais, hein, mais au moins je serai fixé. Je peux pas aller plus haut? Ah, si! Oui, 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 je sais, j'ai vu. Ah, regardez, je dois clignoter. J'en étais sûr! Oh, oh là, il est bien moche d'ailleurs. Oh, il est dégueulasse. Oh, dites donc, il est dégueu. Ouah, par contre, franchement, les gars, trésor. Les difficultés des trésors, faut se calmer quoi. Allez. On y va Chloé, c'est bon, je suis là. C'est le seul moyen. Allez, soulève-moi. C'est parti. Soulève-moi. C'est bon ? Faut grimper. Bah ouais, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Parfait. Bon, RAS. Y a pas une autre entrée? Pas d'ici. Mais ici, on peut sauter là-haut. Merde. Genre, tac. Et puisqu'on est trop fort. YOLO! Vraiment pas utile. Tu vas te calmer, Chloé, de suite.
Parce que moi, je fais pas de blagues déjà, et en plus, voilà, je peux grimper. C'est très très joli l'espèce de cloche là-haut. Les petits bruits de Chloé, c'est toujours exceptionnel ça. Je suis sûr qu'il y a un trésor là-bas. Et yes! Je suis trop fort. Un petit pot assez dégueulasse hein, aussi. Faut le dire. C'est bon, j'y suis! Oh, c'est inondé là-dedans. Ok. Oh merde. Intéressant. Concept. J'apprécie. On vise la tête, on lui enlève son machin, et voilà, il est mort. Pas bien compliqué, mais. Et c'est la bise! Hop là. Par ici! Bon. Ça va, on a plutôt géré. C'est désagréable. Ça doit venir du générateur. Aide-moi un peu. Encore un peu. Nate, bouge. Ça bouge pas. Je dois rétablir le courant pour sortir de là. Est-ce que ça va aller? Ouais, j'aurais dû apporter un peu de lecture. On dirait que le coupe-circuit est au dernier étage. Bouge pas, je vais m'en occuper. Ah, on va se retrouver tout seul. Cool. Plus de jus et une fille est piégée. Bon sang, si jamais un zombie déboule au prochain tournant... Référence au premier Uncharted, bien sûr. Alors là, par contre, ça va être très très joli. Ah, on a encore notre 9FS qu'on va reprendre, d'ailleurs. Et c'est là que c'est magnifique. Regardez ce panorama un petit peu. Les amis. Ah là, c'est vraiment splendide. En plus, avec le fond et tous les nuages qui sont quand même plutôt bien faits, le petit rayon de lumière, la fumée. Tous les détails y sont, c'est vraiment génial. Et la petite neige qui tombe. Ça fait vraiment plaisir de le revoir en version vraiment remasterisée. Hop là, youp et youp. Oh. On va peut-être dû se calmer quand même. Différentes phases de gameplay s'enchaînent toujours avec une aisance aussi aussi grande quoi, aussi magistrale. D'ailleurs là on peut faire tac, tac. Et on va sortir par là du coup. Une échelle hein? Ah ouais. Où est-ce qu'on va? On va sauter là? Ok. Ah oui, n'entends pas tout de suite. Là. Ok. Oh merde. Oh bah oui, évidemment. Ok, il a même pas... Oh putain de merde. Ah, je les avais pas vus. Alors peut-être leur coller une petite grenade dans la bouche. Prenez ça. Non, 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 moi je veux garder mon phage, je veux juste ceci. Ça, je leur balance une autre dans la gueule. Regardez, on va faire ça. Ah, coucou. Et boum. Je pense qu'il est pas mort. Le petit coquin. Et on le soulève. Plein de bouteilles de propane encore. Oh, on reste 44, nickel. Une autre grenade. On a notre plein. Et allez, on grimpe. C'est parti. Je suppose qu'on peut pas aller en haut. Ou du moins que ça ne mène à rien. Il est là. Il est où? Faut utiliser le mode sniper. Ah, il y a un mode sniper. Wow, salut toi. Ok, je l'ai plus mal poussé. Tu peux peut-être te calmer un petit peu. Mon coquin. Oh. Alors, oula. Et on le soulève. Enfin, en fait, on l'a pas soulevé, on l'a juste tamponné. Et là-haut, du coup, on peut quand même y aller. Je me demande si ce serait pas cool pour trouver un petit trésor, ça. Genre juste ici.
Et on trouve un fusil à pompe, donc c'est bien aussi. Ça me va. J'aurais peut-être préféré un trésor, mais bon, ça me va aussi, hein. Je vais pas faire le difficile. Hey, coucou! Non! Jamais! Ça va faire une grosse explosion. Ouais. Ok, j'ai peut-être eu un peu peur. Hein. Je vous avoue que j'ai un peu flippé ma race. Bon, on peut pas monter là-haut? Non? Faut que j'arrête de dire monter là-haut parce que ça n'a strictement aucun sens. Parce que si on monte en général, c'est qu'on va. Vers un sens, disons, vertical. Donc voilà. Ça ne veut rien dire. Ah, là, on peut passer là. Je suis sûr qu'il y a encore un trésor au bout. Genre là-bas. Et regardez-moi ça, que c'est beau. Dans une petite malle. Oh, c'est joli. Ça, c'est joli. Regardez-moi ça. Ah, le paysage est magnifique. Oups, mais j'ai failli tomber. C'est un peu chiant, hein. Ça aurait été gênant, quand même, comme moment. On va monter là. Oh putain de merde, je croyais que Nate était en fait il peut bouger sur la truc. Regardez ça comme c'est beau. Avec une espèce de petit monastère là-haut. Là du coup on va juste monter en fait, on va juste faire ça. Voilà. Du coup on est en haut effectivement, il y a bien moyen de monter. Coucou. Pour tirer à l'aveugle de faire un abri, comme ceci. Voilà. A plus tard. Il est pas mort. Ah non, toi j'ai pas quand même. Voilà. Nate, tu m'as quand même pas oublié, hein. T'inquiète, poulette. Ah bah le générateur est là. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. C'est bon. Et voilà. Cool. Oula, des bouteilles de gaz. Excellent. Du coup, on va où? Ah, bon, on peut remonter là. Super. Coucou. On y est presque, allez. Ah, il y avait un truc là-bas. Qui clignotait. Il y avait une espèce de reflet avec la lumière. C'était bien fait. On va encore faire de la courte échelle. Elle y est. Un peu le même mécanisme que dans. Je crois que ça te plaît un peu trop. The Last of Us. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, même. Ouh, petite piscine cosy sur le toit. Ouais, par contre, la lumière dans les nuages, c'est vraiment joli. C'est vraiment super joli. On peut bien sûr aller y plonger. Tatin. Hé, hey, regarde ça. Marco. Vraiment? Allez. Non. Marco. Polo. Polo. Et normalement, voilà, normalement, je crois qu'on a un trophée pour... Alors, fait Marco Polo. Enfin, un trophée, je sais pas. Mais... Je sais pas si on a un trophée vraiment ou chose de plus en fait. Hey, ou alors juste comme un poisson hors de l'eau. J'avoue que c'est la petite piscine avec une vue pareille. C'est pas mal, hein. C'est plutôt. Plutôt de type sympathique, hein, j'ai envie de dire. Plutôt cool. Voilà. Bref, on va arrêter de faire le malin à jouer dans l'eau, dans la piscine. On va monter et s'attaquer aux choses sérieuses, disons. Il n'y avait pas un truc sur les palmiers là? Ah, pas les palmiers, ça là. Bon, j'ai rêvé, écoutez. Je vois des trésors partout, je les vois partout les trésors. Je suis omnubulé par les trésors. Par contre, où est-ce qu'on va? En fait...
Ah mais oui, attendez, hop. On peut passer ici. Du coup, je suppose que... Encore de l'escalade. En passant par là... C'est toujours la même chose. On a encore un petit trésor. Ah bon, on aurait pu passer par là aussi également. Waouh, on peut faire tout le tour. Attendez, c'est vraiment pas un trésor, là, je me... Hein ? On est bloqué ? Sérieux, là ? Ah, heureusement, on peut passer là. Attendez, ça veut dire que forcément, que de l'autre côté, il doit y avoir un trésor. Si on peut bien y aller. Ouais, on peut. Forcément un trésor. Sérieux ? Il y en a pas ? Ça aurait été une bonne cachette, pourtant. On n'y pense pas. Enfin, je n'y pense pas, mais... Ok. Hôtel Shangri-La. Bien, on est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait... Oh, bingo. Le voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Nate, c'est là où Lazarevitch a son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée... Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez-le et descendez-le. Ils rigolent pas, l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Allez, Nate, faut y aller! Ok! Bon, moi je voulais un petit peu de chill et tout, mais bon, d'accord, on est parti. YOLO! Cool. Bon sang, mais comment on va passer? Bah, par là. Ça me semble assez évident. Oh, attention. T'inquiète. Ah! Oh merde. Ça, c'est pas cool. Je suis là, Drake. Donne-moi la main. Vas-y. Oh là là. Je suis derrière toi. Go. C'est là qu'on voit là que la mise en scène est carrément mieux qu'avant. C'est tellement énorme. Putain, attendez. Ah, plus tard. La bise. Ok, go. Oh. Oh. Oh non. Non, 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 non. Oh, chaud. Il est où l'hélico là? Ok, il est là. J'ai failli mourir. Je pense qu'on peut tirer dessus. Je sais pas si ça lui fait vraiment quelque chose, mais... Oh, attendez, 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 je pense qu'on peut lui lancer ça à la gueule. Non? Pas du tout. Je vais mourir en fait, c'est tout, hein. On a pas de... Ah mais attendez, on peut aller par là, je suis con. Moi j'ai vidé toutes mes munes, mais... Je croyais qu'on devait attendre en fait. En bas. Wow. Debout, Nate. Ça va? Ouais, c'est génial. On va se calmer peut-être. Petite grenade pour vous. Les mecs, ça va, ils s'arrêtent plus, hein. Waouh. J'avoue bien que les points étaient énormes cette scène. Waouh, coucou toi. A plus tard. Attendez. Tu vas te calmer peut-être. Oh, il a pas envie. Ah, immune. Voilà, ça t'apprendra. Oh, on défonce les ordi et tout. De toute façon, c'est dévasté ici. Bon, il faut qu'on prenne des munitions, nous. Voilà, un effet fesse. Très bien, excellent. Non, 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 pas l'ascenseur. Pas faux. C'est vrai. J'ai
pas si c'est vraiment une meilleure idée de... Wow. Wow. Oh putain de merde. Bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça sent pas bon. Oh merde. Oh oh. YOLO. Wouah, y'a des ennemis. Ça c'est faux. Oh putain de merde. Non, je vais mourir là. Je vais mourir. Je suis mort. Je peux rien faire. Attendez. C'est quoi ces conneries les potes? Le père n'est pas vu. Protégez-vous. Voilà, voilà. En fait j'étais censé rester ici, c'est ça? Bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça sent pas bon. Oh merde. Excellent. Ça s'effondre. Oh merde. Wow. Oh putain. Oh putain de merde. On a failli y rester. Bon. Ah, West 44 encore. Cool. Petite pendule. Par là, allez. Bah c'est calme tout d'un coup. C'est trop calme. Je crois que c'est la basse saison dans cet hôtel, non? Allez. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Pour ceux qui ont reconnu la magnifique référence. On passe par là, je suis bête. On saute là? Putain, il est en forme, Nate. Hein. Ah, oui, on saute. Ok. Ça pue. Oh! Lui, il rigole pas, lui. Lui, il s'amuse pas. Une petite grenade pour vous calmer. Oh, les bouteilles de propane qui explosent. Voilà. Ça. On va le descendre. Un okay. Pont? Cool! Ouais, carrément. Les troupes de la résistance ont mis ça pour passer entre les toits. Ah, on a du bol! Eh, oh oui, on a pu faire tomber le cajou. Il tombe vraiment au fond? Ah ouais, cool! Il se casse pas, mais. Il est là-haut! Attends, attends, qui est là-haut déjà? Précisez vos, vos phrases, faites des phrases construites. Bon, qui et où? Attends, je vais relancer une propane à la gueule. Ça va les calmer un petit peu. Regarde, hop là. A plus tard. Voilà. La mise. Oh, what? Steve est vraiment buté. Oh, lance-grenade, ah, oui. Excellent. Parce qu'il y a toujours un mec là. Ah, oh, oh, et oh. Là, headshot, voilà. Totalement. Ok, donc on va s'occuper de lui avec le lance-grenade. C'est du bon travail. Alors, merde, merde, non. Et lui. Non, je veux le lance-grenade. Oui, voilà. Là. Voilà. La mise. Hop, encore du lance-grenade. Ah. Plus tard, à plus tard. Allez. Ah, oh, merde, raté. Ah merde. Mais ah je suis nul. Ok, j'ai calpé toutes les munitions mais j'étais trop en panique là. Non 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 non. Le con. Le con. Ah je suis con. J'ai pris trop de dégâts trop vite là. J'ai bougé trop. Mais
Oh mais je suis un nul. Voilà. C'est du bon travail. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va courir. On a là-bas du lance-grenade. Oh, là aussi. Oui, il y en a partout. Allez, monte. Mais. Je vais mourir encore en fait. Allez, retape-toi, retape-toi. Ah, il a fait une esquive, le bâtard. Alors ça, tu l'as esquivé. Oh, salut toi. Et je l'ai soulevé. C'est parti le mec. Voilà. Ah non, il est là-haut toujours. Allez, merde. Yes. Et merde. Oh non, raté. C'est bon. Attends, attends. Là. Et c'est raté une fois de plus. Cool. Encore, j'en ai d'autres. Alors. Bon, c'est qui le boss du lance-grenade? C'est pas moi, ça c'est sûr. Ok. Eh ben c'est nickel tout ça. J'adore. J'adore le concept. On récupère quelques munitions. Et on va descendre. Ouais. Voilà. Oh, il a failli pas s'accrocher. Vous l'avez vu, vous aussi. Vous aussi, plutôt. Encore un OS-44, je prends. Il y en a plein ici. Mais je prends, c'est bien. Du coup, où est-ce qu'on va? Ah bah par là, oui. Effectivement. Encore une tyrolienne. Cool. Hey, ce câble, par ici la sortie. Go, go. C'est bon, ça va. Oh, oh merde. Tout va bien? Ah, ça fait trop mal. Je vais trouver un moyen de descendre. Parfait. Bon bah au moins on est descendu rapidement. Et bah nous on n'a plus qu'à remonter par là hein. Pourquoi on va remonter alors qu'elle veut descendre en fait? Non, on va essayer d'aller de l'autre côté. On peut aller en haut là? Sautons derrière? Non, on peut pas. J'ai cru qu'on pouvait aller dans le bâtiment là-haut. Bon! Voilà qui est fait. Oh, hé! Oh, hey, tirez pas! Nate? Mais qu'est-ce que tu fiches là? Elena? Jeff, non! Attends, tu connais ce type? Ouais. Lui, c'est Drake. Oh. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, hein? Tu vas piller deux ou trois temples? Dévaliser le musée? Content de te voir aussi. J'imagine que t'es ici. Pour une noble cause, hein? En fait, on poursuit un criminel de guerre en cavale. Zoran Lazarevitch, ça te dit quelque chose?
Et l'OTAN, il fait quoi? Pour tout te dire, il pense qu'il est mort. Mort dans un raid aérien. Ah, et t'es là pour prouver le contraire. Tu sais quoi? Ce type est vraiment un monstre, Nate. On parle de torture, de mutilation, d'exécution massive. Mais tu vois, maintenant, il prépare autre chose. Mais pourquoi ici? Pourquoi détruire toute la ville comme ça? Ça rime à rien. Oh. Non. Non, ne me dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça. N'importe quoi. Ah, t'es là, Nate. Je crois que je les ai semés. Oh, 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 tout va bien, Chloé. Ce sont des... journalistes. Ah. Bon. Il faut qu'on avance, si on veut garder une longueur d'avance sur Lazarevitch. Alors, Oh, je rêve, Nate. Et attends, attends. C'est pas ce que tu crois, Elena. pardon, mais... il y aurait pas un petit passif, là? Oh, Elena Fisher. Le modèle de l'an dernier. C'est mignon. Ouais. Non, non. Je suis content que tu trouves ça drôle. Bah, c'est juste que je t'aurais jamais imaginé avec un cul pincé fadasse. Elle est bien plus coriace qu'elle en a l'air. Merci. Oh. Oh quoi? Elle t'a brisé le cœur. Oh, arrête. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est peut-être moi qui ai brisé le sien. Oh oui, Casanova. Faut qu'on avance maintenant. Attends. Ils viennent avec nous. T'es pas sérieux? Si, je le suis. Je peux pas les laisser planter là, au milieu de ce bordel. Mais ils vont nous ralentir. Et si Chloé. On se prend... Si Lazarevitch nous capture, toi et moi, je ensemble... Je les laisserai pas tomber. Tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros, tu sais. Nate. On danse toujours avec celui qui vous a amené au bal. Ouais, j'ai compris. Mais ils viennent quand même. On n'a pas besoin d'aide, Nate. Tu vois? Tu vas peut-être changer d'avis. Merde. Courez! Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous coupe un peu l'herbe sous le pied comme d'habitude, mais il y a toujours trop de choses qui s'enchaînent dans ces jeux, donc je peux difficilement faire autrement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner si vous n'êtes toujours pas pour ne pas rater la prochaine. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux pour être au courant de tout, absolument tout. Voilà, je vais faire court cette fois-ci. Je vous dis à plus. Faites bien chauffer les pads et have fun.